la Bible. Non, mais c'est la Bible. Ça veut dire que les hommes regardent toujours des belles. Oui. Ça ne m'est pas. Il faut que tu sois belle. Si tu n'es pas belle, on ne va pas te regarder. Sans maquillage. Même sans maquillage, tu es belle. Ah oui. Oui. Même sans maquillage. On va regarder sans maquillage et tu es toujours belle. Ah oui, amen. Amen. Oui, les maquillages, c'est maintenant. Nous, on a grandi, on ne connaissait pas les maquillages. Hein. Ah oui, nous, on ne connaissait pas les maquillages. C'est maintenant, comme ils sont venus, nous vous appelez. Vous. Oui, quand il y a le blanc, ça s'abîme tout de dedans. Amen. Hein. Oui. Tu peux mettre même la poudre blanche et tout. Oui, la poudre blanche pour ne pas transpirer. Ah oui. Oui. Calque, vague, waouh. Tu es naturel. Parfois on est naturel comme ça. Quand tu mets Loumou. Les gens vont appeler ça, ils disent Loumou. Amen. Hein? Moi j'ai remarqué que mon mari, il publie toujours mes photos quand j'étais jeune, sans maquillage. Et il m'avait pris la photo un jour, j'étais juste en foulard comme ça. Oh, souviens, mais elle est belle comme ça. Oui. Vous prenez le temps pendant une heure du temps pour vous êtes maquillé, tout ça, mais tu es belle naturelle. Amen. Hein? Oui. Un jour, essaye sans maquillage, tu vas voir si les gens ne vont pas te dire que tu n'es pas belle. Mais tu es belle, non, aujourd'hui, je n'ai pas maquillée, tu es belle, non? Oui. Tu es belle aussi, tu n'es pas maquillée. Tu es belle. Amen, hein? Oui. Mais pourquoi on ne te dérange pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu vas arriver à 30 ans, tu te maries pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même si tu dis oui, je vais faire mes études, tu vas finir par te marier. Ah oui. Il faut commencer déjà à voir les fiancés. Ce n'est pas normal aujourd'hui, la piscine de Bethesda est là. Tu vas plonger aujourd'hui. Oui, tu vas dire à ma mère que oui, elle est là. Tu dois être libre aujourd'hui. Cette année, on veut célébrer le mariage. Dieu, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. Quand il sort une parole, ça veut dire que c'est pour toi. Amen. Cette paralytique, il ne savait pas. Regarde, il ne bougeait même pas. Est-ce qu'il ne pouvait même pas penser que Jésus allait passer par là? Non. Pas d'idée. Quel jour? Il a fait 38 ans. 38 ans. Personne pour l'aider à le mettre dans l'eau. Il y avait que du monde qui était malade. Il y avait des cancers, il y avait des sida, il y avait toutes sortes de maladies étaient là. Mais ils arrivaient à plonger dans l'eau. Une seule personne, ça c'est la loi. Oh, une seule personne par jour. Mais cet homme, il allait faire combien d'années? Il allait mourir là. Mais c'est lui qui est la vie, qui voit même de loin. Ouais. Tout ce qui se passe dans ta vie, amen. Il viendra te soulager. Amen. Oui, il viendra te donner la solution. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Non, il n'abandonne jamais. Amen. Il n'abandonne jamais, il sera toujours là avec toi. Mais toi, marche toujours en obéissant à sa parole. Amen. C'est ça. Fais ta part et lui aussi fera sa part. Amen. 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 Oui, fais ta part, mes bien-aimés. Ne suis pas les autres. Moi, je vous conseille toujours, ne suis pas les autres. Toi, tu es venu ici pour que tes fardeaux soient déchargés. Tu n'es pas venu pour amener encore le fardeau des autres. Non. Chaque personne a son problème. Amen. Tu n'es pas venu pour faire des groupes. Tu es venu pour Dieu. Amen. Tu es venu pour servir Dieu. Serve Dieu. Serve Dieu et serve-le correctement. Amen. Amen. Serve Dieu, serve-le correctement. Parce que si tu ne serves pas, il ne sera pas avec toi. Il y a les hommes de Dieu qui sont. Il fait des miracles, mais Dieu n'est plus là. Il est en train de forcer. Tu forces, mais Dieu n'est plus là. Amen. Si tu ne savais pas. Mais si tu marches avec Dieu, amen. Tu as l'amour des autres, surtout. Amen. Tu aimes les autres. Pas d'hypocrisie. Hein. Amen. Moi je parle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui touche par amen. Amen. Malgré la loi, j'entrerai, mais tu vas rentrer comment? Amen. Vraiment. Sans amonter ma maman. Amen. Je suis désolée. Amen. Je suis désolée parce que l'amour, c'est parmi. Les 10 commandements. Amen. Amen. L'amour, c'est le plus grand commandement. Amen. Aime Dieu, oui. Mais toi, tu aimes Dieu, tu es très hypocrite. Aime d'abord, c'est
Dieu. Amen. Parce que Dieu, tu ne les vois pas. Mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Qu'est-ce que je te dis? Vraiment. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Et tu dis, malgré la loi, si tu n'as pas l'amour, malgré la loi, toi tu resteras toujours là. Amen. Mais si tu as l'amour de Dieu, amen, l'amour du prochain, sache que malgré la loi, toi tu vas entrer. Amen. Malgré l'interdiction, ça sera pour les autres, pas pour toi. Amen. Oui, les interdits, ça ne te regarde pas. Les autres qui sont morts avec les cancers dans ta famille, c'était eux. Amen. Mais à partir de toi, tu es Esther, tu es venu maintenant libérer. Amen. Tu es Moïse de ta famille. Amen. Oui, les cancers, ça s'arrête. Je ne sais pas, la dernière personne qui est morte, je ne sais pas à quelle année. Yes. Tu dis que c'est fini les cancers dans ma famille. Amen. Mais marche seulement avec Dieu. Amen. Marche en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Esther, elle avait l'amour. Esther, elle avait l'amour, c'est pour ça que Dieu était avec elle aussi. Amen. On l'avait choisie parmi les milliers de femmes. Il y avait des belles femmes, elle n'avait pas toutes, elle n'était pas toute seule, mais il y avait des milliers et des milliers. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait cet amour. Amen. La preuve qu'elle a entendu que c'est non qu'elle avait des habits déchirés. Qu'est-ce qu'il a fait la première fois? Il a envoyé des habits. Amen. Est-ce que toi tu donnes? Depuis que tu es en Europe, c'est lui qui a vendu, je ne sais pas, peut-être la parcelle pour que tu viennes à l'Europe. Mm. Est-ce que tu le connais encore? Mm. C'est lui qui a souffert pour que tu puisses venir à l'Europe. Mm. Il est devenu ton ennemi juré. Mm. Tu ne lui parles même plus. Mm. Il est devenu ennemi numéro un de ta vie. Mm. Après, tu prends la Bible et tu dis que je vais... Non, mm, je suis désolé, tu n'as pas l'amour. La loi, ça va t'attraper. Amen. Parce que tu n'as pas l'amour. Si quelqu'un t'a fait du bien dans ta vie, on n'oublie jamais. Amen. Quelqu'un peut avoir donné le fils qui est de l'eau à voir. Frère, je connais ça avec lui. Amen. Parce que tu pouvais mourir même de soif. Mm. Mais il t'a donné même un petit verre d'eau. Amen. Il faut être reconnaissant toute ta vie. Amen. Aimons-nous les uns les autres, les bénis. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mm. Mais Dieu sait, le sait. Amen. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Pas la même hypocrisie. Amen. Si tu n'aimes pas, ne regarde pas. Au sommet, je vais te dire que tu restes au sommet. Tu vis au sommet, tu restes au sommet. Comme un aigle, selon la volonté de Dieu. Amen. Tu es aigle. Tu es aigle. Ne t'associe pas avec n'importe quel oiseau. Parce que toi, tu es aigle. Amen. Tu restes toujours au sommet. Jésus. Pour contrôler. C'est toi qui vas contrôler maintenant. Amen. Ta famille. C'est toi qui vas commencer à contrôler. Même s'ils sont contre toi, tu as un aigle. Amen. Rigole seulement, tu dis que je suis un aigle. Amen. Parce qu'un jour, ils auront besoin de toi. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Esther, son nom vient d'aller te chercher. Amen. Ils auront besoin de toi. Amen. Parce que tu es mise à part. Amen. Tu es mise à part. Amen. Ne t'inquiète pas. Reste seulement comme âme dans la présence de Dieu. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu dis que la vampiga n'a aucun bébé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai toujours là. Lundi, les gens ne viennent pas. Moi, je serai même devant la porte. Le mercredi, l'autre mercredi, on a prié dehors avec maman Bishop. Amen. On était dehors, on a prié dehors dans le froid. Pourquoi? Parce que nous avons l'amour de notre Dieu. Amen. Parce que les autres, ils sont venus, ils ont trouvé la porte fermée, ils sont partis, il y en a qui sont partis. Mais nous, on est restés, on a prié. On a pris le temps de prier et Dieu nous a protégés, mais pas malades. Mmh. Amen. Amen. Tu as pris l'engagement. Va avec ton engagement jusqu'au bout. Mmh. Chrétien, c'est comme ça on chante chrétien jusqu'à la mort. Mmh. Mais toi, tu abandonnes avant comment? Mmh. Tu as dit chrétien jusqu'à la mort. Quand tu chantes, il faut savoir ce que tu chantes. Hein? Mmh. Amen. Ah oui. Tu dis chrétien jusqu'à la mort. Maintenant, le mercredi, on ne te voit pas. Tu es devenu chrétien seulement le dimanche. Amen. Amen. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Si tu veux passer la loi, malgré la loi, si tu veux passer, reste dans la présence de Dieu. Amen. Parce que si tu n'es pas, tu n'es pas avec Dieu, tu es demi-mort, comme on dit. Amen. Il y a un dame, hein? Il y a un dame à y sauter.
Un pied dedans. Un pied dedans. Boy, au nom de Jésus. Il a pris l'engagement à 100%. Yes. Quand on vous baptise, je demande toujours, hein. Tu as pris l'engagement pendant combien de temps? Victoria, tu te souviens encore? Tu as pris l'engagement combien de temps? Tu dis que à 100%. Pas à mi-temps, non, à 100%. Tu as dit à 100%, le ciel est ouvert pour toi, ils ont entendu, tu as dit à 100%. À 100% maintenant, tu vois même la salle, la salle et les salles, il n'y a pas de femmes de ménage ici. Nous tous, on est des femmes de ménage. Hein. Nous tous, on est des femmes de ménage. Si tu vois même une bouteille, ramasse, ne laisse pas seulement pour la sœur Marie. Tu as dit que tu as pris l'engagement à 100%. Mais tu veux seulement prêcher, viens nous prêcher. Hein. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Amen. Servir Dieu, tu peux même surveiller même les enfants. Amen. Tu vois la maman, tu pries là-bas, l'enfant le dérange, tu prends l'enfant, tu vas mettre l'enfant à côté. Tu t'arrêtes. Viens voir que tu es en train de le servir. Comme ça, la maman, elle est tranquille, elle est en train de suivre les enseignements. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement. Si vous voulez prêcher, c'est bon. Moi, je vais bien. Tu restes là. Moi, je ne veux rester à écouter les autres. Viens nous prêcher. Si tu crois que c'est facile. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Tu peux nettoyer les toilettes. Amen. Amen. Oui, ça te protège, c'est la protection. Si vous ne savez pas, on a prié, pleuré ici pour Maman Marie. Vous savez, c'est l'exemple. On demandait à Dieu quoi? On disait quoi à Dieu? On montrait à Dieu les mousses. Moi, on disait toujours, Seigneur, regarde les mousses. Qui va laver, qui va nettoyer les mousses? La personne qui lave les mousses, il est resté ni là-bas. On veut le faire refouler. Alors, Seigneur, fais quelque chose. Tu l'as fait ou pas? Aujourd'hui, il est là. Elle est là, on lui a donné même des papiers. Amen. Reste là, je l'ai à la porte. Vous croyez pas, on a les papiers, on a les papiers, on a les papiers. Mais pas tu es là, tu fais les dimanches, tu t'assois, tu veux rien faire à l'église. C'est ta protection. Fais quelque chose pour Dieu. Et lui aussi fera quelque chose pour toi. Amen. Tu veux le payer? C'est Dieu qui va payer. Dieu me paye le salaire qui le passe tout. Amen. Toi, tu veux, je ne sais pas qu'on puisse te payer, non? Personne ne va me payer, nous payer. Non, c'est Dieu qui te paye. Amen. Quand tu as des problèmes, regarde-moi le mariage que j'ai fait. Avant que j'avais rien. Parfois, ça me dépasse. Vous savez, quand tu es une étoile, on te combattra dans tout. On m'a combattu même pour mon mariage. Mais Dieu m'a dit, garde silence. Amen. Moi, je combattrai pour toi. Amen. Je fais un mariage comme des ministres. Oui. Wow. Je dis toujours à Dieu, je suis ministre de Dieu. Amen. Je suis ministre parce que les ministres de ce monde vont faire les remaniements, tu dois partir. Mais moi, je suis ministre à vie. Amen. Moi, je dis toujours à Dieu cela. Je suis ministre à vie. Pourquoi les ministres de ce monde, ils ont de l'argent? Ils roulent avec des grosses voitures, pas nous. Non. Moi, je lui dis que c'est toi qui vas me payer. Oui, c'est toi qui vas me payer. Mais toi, tu veux que quelqu'un puisse te payer? Non. Travaille seulement. Fais l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu-là qui voit ce que tu es en train de faire. Il va te récompenser. Amen. Comme elle a fait pour Sœur Marie et Frère Serge. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu fais. Moi, je t'ai donné juste un exemple pour mon mariage. J'avais rien. J'avais rien, je me dis devant je suis la chair, j'avais rien. Mon mari n'avait rien. Parfois on se demandait, on a cherché des grands problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Il a dit à l'hôpital, il est venu à l'hôpital, comme je l'appelle intervention rapide. Amen. Oui, on l'appelle pas intervention rapide pour rien. Non, il intervient le bien-aimé. Quand il y a un problème, appelle-le. Il va intervenir. Vous avez entendu la maman qui avait témoigné l'autre jour. Elle a dit à l'hôpital, j'ai demandé à Dieu l'intervention rapide de maman MC. Elle dit toujours tu as intervention rapide. Est-ce qu'il avait intervenu ou pas? Oui. Il avait intervenu. Est-ce que tu vas attraper ses yeux? Il intervient toujours. Mais c'est pas quel problème que tu as dans ta famille. Je ne sais pas quelle loi qui est établie dans ta famille, qui t'empêche peut-être à avancer. Je sais qu'aujourd'hui, la piscine est là. Amen. Tu vas plonger dans la piscine. Amen. La piscine de Bethesda est là. C'est là où tout va finir aujourd'hui, pas demain. Tu dis que Seigneur, tu as sorti cette parole est pour moi. Amen. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Oui. Ça veut dire qu'il a détecté, il a vu quelque chose. Oui. Alors viens te parler cet après-midi que malgré la loi, toi, tu dois passer. Amen.
Malgré la loi qui est en France, ils disent que les étrangers ont du droit. Non. Ça ne te concerne même pas. La nationalité, tu auras cette nationalité. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu y es mis à part. Tu vas voir, on ne te demandera rien du tout. Les autres, c'est cet homme. On ne t'a rien demandé, même pas les fiches de paix, non? Moi, on ne m'a rien demandé. Pas les fiches de paix. Mais les autres, on leur demande, regarde, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je vous ai donné l'autre jour l'exemple. On est allé avec les autres, en plus, on était avec maman Niati. Amen, hein? On est allé demander le visa pour aller coucher. On était 5 femmes ensemble. On m'a pris moi. On avait le même papier, le même fiche de paix que moi. On m'a pris les autres. On les a dit que non, les Congolais, on ne vous parle pas. Alors que moi aussi, j'étais Congolais. Et ils ont dit que toi, tu es chinoise. Ouais. Moi, j'ai dit gloire au Seigneur. Ouais. Parce que ma figure a changé. Pourquoi? Parce que toi, tu es mise à part. Oui, Dieu va changer les choses pour toi. Dieu va changer les choses pour toi. Peut-être qu'on le regarde comme ça, on dit que comme l'arabe. Amen. Oui. Dieu te change de figure uniquement pour voir pour qu'on puisse te prendre la place. Amen. Tu trouves un chef qui est arabe, peut-être qu'il cherche ses soeurs ou ses frères. Alors Dieu te change ta figure. Tu deviens parce qu'il y a des noirs arabes, vous savez ça. Il y en a qui parlent même la langue. Hein. Dieu va te changer, regarde comme ça, il dit, peut-être que c'est ma sœur, je le prends. Pourquoi ça c'est Songi Songi Wana? Moi je l'appelle Songi Songi. Amen. Hein? Oui, le Saint-Esprit est Songi Songi. Saint-Esprit est le vrai Songi Songi. Pourquoi toi marches seulement avec lui? Marche en obéissant à sa parole. Et là, toutes les portes seront ouvertes pour toi. Amen. Hein? Oui. Voilà. Pour le mois de mars. Malgré la loi. Dieu m'a dit le mois de mars, malgré la loi, toi, tu dois passer. Amen. Je ne sais pas quel dossier tu as introduit et qu'il y a une loi qui bloque cela, mais je viens de dire cet après-midi Amen. Que le dossier doit passer. Au nom de Jésus, tu avais demandé la nationalité. Dieu me parle maintenant que tu auras ta nationalité. Amen. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle maladie que le docteur t'a annoncé, mais malgré la loi, malgré la loi, les sorciers de ta famille t'ont mis mal. Vous savez qu'il y a d'autres maladies qui viennent des sorcières. Hein? Oui. La maladie qui te met le sida. Alors peut-être que tu étais marié, la femme meurt. On fait des examens à l'homme, il a rien. Des enfants, ils ont rien. Pourquoi? Parce que c'est la maladie de la sorcellerie. Mais ça va tomber aujourd'hui dans la piscine de l'été. Ça va tomber aujourd'hui parce que toi, tu es mis à part. Amen. Cette maladie ne te concerne pas. Amen. Oui, ils peuvent dire, le médecin peut dire oui. On t'a dit que tu as le cancer. Tu dis que moi, aujourd'hui, oh, c'est Jésus-Christ qui va venir me visiter, comme il a visité cet homme. Amen. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ était dans la fête tranquillement. Hein? Mais il a pensé à cet homme. Nous, on est en train de fêter ici. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas pendant 38 ans en train d'attendre. Je ne sais pas pendant combien de temps tu attends. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit qu'il est là. Il est là ce soir, cet après-midi, il est là pour toi. Amen. Hein? Amen. Oui, il faut que les choses puissent changer. Il faut que les choses puissent bouger. Ta journée, il y a du travail. Non, il y a une loi qui dit que dans ta famille, il y a la pauvreté. Tu dis qu'il y avait la pauvreté peut-être pour mes parents. Mais moi, je serai propriétaire. Si j'étais des locataires, à partir de moi, ils vont devenir des propriétaires. Parce que les enfants, ils achètent aussi pour les parents. Donc toi, tu vas acheter pour tes parents. Au nom de... Je vois en vrai que tu ne crois pas. Amen. Oui, tu ne mourras jamais locataire. Toi aussi, tu vas compter. Tu vas commencer maintenant à donner de l'ordre. Maman ou pas, mais ne sont pas les mamans ou pas comme les fiches à ça. Les mamans ou pas qui sont jaloux. Quand tu prépares le poulet là-bas, ils disent Oh, bima Oh, bima. Pourquoi pas, c'est à eux qui sont jaloux. Hein? Ne sont pas comme ça, ne sont pas jaloux parce que le locataire aussi a besoin à toi de vivre. Hein? Amen. Hein? Oui, ils sont comme ça. Tu es locataire chez lui, tu as une boutique, ça devient grand. Après, il dit qu'il faut vous sortir. Moi, on a fait ça. La boutique, voilà.
Ils envoyaient les mains, ils ont dit, il faut sortir. Or, chacun a sa chance. Toi, tu veux faire pareil, ça ne sera pas pareil. Oui, moi, ma boutique était en Juvel, je crois que vous voyez Juvel. C'était vers Kassavou, là on a fait le stade. Ça bougeait tellement et le propriétaire n'est devenu jamais. Ils ont commencé à se discuter avec le directeur, tout ça. Alors, ils ont que vous sortez. Nous, on dit, il n'y a pas de problème. On doit sortir. On est parti à Vandal. Ils sont restés, leur place est morte. Ils croyaient qu'ils allaient faire comme nous. Mais non, personne ne venait plus là-bas. Amen. Il ne faut pas avoir le mauvais cœur. Aimons-nous les uns les autres. On est la vie, c'est péra. Dieu va te bénir aussi. Ne sois pas jaloux. Ton tour viendra aussi. Or, s'il fait comme ça dans ta parcelle est bien, il a dépensé, il a arrangé, c'est pour toi. Pourquoi tu aurais pu être jaloux? Le monde est compliqué. Amen. Amen, hein? Amen. Cette parole est pour toi. Est-ce que tu peux dire que cette parole est pour moi? Cette parole est pour moi. Est-ce que tu peux accueillir cette parole par des acclamations? Acclamations. Je ne sais pas quelle joie tu es dans ta famille. Tu vas t'élever maintenant. Tu vas t'élever parce que le but est que il faut que toutes les lois puissent être brisées. Tu vas briser les lois de ta famille. Je ne sais pas quelle loi toi-même tu vas te détecter. Tu sais que dans ma famille, il y a ça. Je sais. Parce qu'il y a des gens qui meurent toujours avant 60 ans. Je dois briser l'esprit des morts qui règne dans ma famille. Oh, dans ma famille, il y a l'esprit des célibats. Tu vas briser l'esprit des célibats. Regarde, tu dis qu'il y a des gens qui se marient. Si il y a l'esprit des célibats, mais bien aimé, tu peux te marier même 10 fois. Ça finira par divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit des célibats. Alors tu vas briser cet esprit des célibats. Tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu as dit que malgré la loi, moi, mon mariage, il n'y aura pas de divorce. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Et Yabashaka. Ikabalabalabalabalabalabala. Sois brisé. L'esprit des célibats dans ma famille. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Regarde, je ne sais pas quel esprit qu'il y a dans ta famille. Je ne sais pas quel esprit qui règne. L'esprit impur, de maladie. Il y a le cancer qui tue les gens dans ta famille. On brise maintenant cet esprit au nom de Jésus. Cet esprit de maladie, maladie de cancer, soit brisé. Brisez-le au nom de Jésus. Brisez-le. Brise au nom de Jésus. L'esprit de maladie. Toi, maladie de cancer. Toi, maladie de sida. Oh, yababa. Sois brisé. Sois brisé. Malgré la loi qui est établie dans ma famille. Au nom de Jésus. Je serai en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Malgré la maladie. Malgré la maladie qui règne dans ma famille. Oh, je dois briser cela. Au nom de Jésus. Brise cela. Brise la maladie. Brise au nom de Jésus. Sois brisé. Au nom de Jésus. Oh yababa. Brise cela au nom de Jésus. Reyababa. Ne sois pas distrait. Regarde quel est le problème qui règne dans ta famille. Regarde cela. Aujourd'hui tu vas dire. Tu vas dire ça doit partir. Ça doit partir au nom de Jésus. Aujourd'hui, il faut que tu sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quel esprit qui est en toi. Si c'est le mari de lui, qui te couvre, le mari de lui empêche la personne de régner. Le mari de lui est jaloux. Il t'empêche de te marier. Aujourd'hui, il va partir. La femme de lui, qui te couvre, qui règne la nuit et que tu couches avec la femme. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il doit partir. Si tu vois cela, tu dois avancer. Je dois prier pour toi. La piscine de Bethesda est ici. Aujourd'hui, tu dois être libre. Aujourd'hui, la maladie doit partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu vas chasser ce démon qui te tourmente la nuit. Tu dois les chasser. Au nom de Jésus. Si tu vois la femme de nuit, la nuit qui donne avec une femme, la nuit la femme qui vit, elle doit t'empêcher de progresser. Tu vas chasser cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle doit seulement partir. Tu sois libre. Il faut que tu sois libre. Au nom de Jésus. Chasse cela. Chasse-les. Chasse ta maladie. La maladie héréditaire qui règne dans ta famille. Ça doit partir. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Plus tes bagages sont. Au nom de
aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que tu sois libre. Aujourd'hui, tu veux être libre. Aujourd'hui, tu veux être libéré. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Il a dit, malgré la loi qui est dans ta famille, la pauvreté. Malgré la pauvreté qui est dans ta famille. Toi, tu dois réussir. Toi, tu dois absolument réussir. Tout ce que tu dois toucher, va réussir au nom de Jésus. Oh, il y a les papiers qui te marquent. Les papiers qui sont bloqués. Celui qui bloque tes papiers. Aujourd'hui, il va tomber. Aujourd'hui, il va tomber. Au nom de Jésus. Celui qui est assis sur tes papiers. Celui qui est assis sur ton dossier. Oh, tu vas mettre le feu. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Mets le feu. Mets le feu. Mets le feu. Au nom de toi, pour le feu du Saint-Esprit. Quand tu mets le feu du Saint-Esprit, regarde dans ta maison, mets le feu. Mets le feu partout. Même dans ton corps, tu mets le feu. Que la maladie du monde éternel puisse être brûlée par le feu. Nous allons prier trois fois le feu du Saint-Esprit sur mon corps maintenant au nom de Jésus. Go! Le feu du Saint-Esprit sur mon corps maintenant au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur mon corps maintenant au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur mon corps maintenant. Mets le feu maintenant. Mets le feu. Que le feu puisse brûler. La maladie du monde est terrible. Les célibats qui sont mis. Oh, puissant te brûler. Brûlez-les. Brûlez-les maintenant. Brûlez-les maintenant. Au nom de Jésus. Brûlez-les. Brûlez-les. Sois consumé. Sois consumé. Au nom de Jésus. Sois consumé. Mets le feu. Le feu. Le feu dans ton corps. Dans ton corps maintenant. Mets le feu. La maladie du monde est là. Puissant te brûler par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets le feu. Jésus. Go! Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans ma vie. Amen. Le sang de Jésus dans ma vie. Amen. Le sang de Jésus. Fais entrer le sang maintenant, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parce que les enfants d'Israël, ils ont mis le sang de l'agneau dans les linteaux, dans les linteaux de leur maison, pour que la mort ne passe pas. La mort ne passera pas dans ta maison. La mort ne passera pas dans ta famille. Mets le sang, que le sang entre, que le sang pénètre dans ton corps, au nom de Jésus, que le sang pénètre. Si le ton corps était infecté par une quelconque maladie, oh, que le sang de Jésus puisse être transfusé maintenant dans ton
brebis. Je fais un dossier quelque part. Je mets le sang. Le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Donne la solution. Donne la solution. Oh, il y a tous mes problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus dans ma famille. Il n'y a pas d'attente dans ma famille. Il n'y a que des problèmes. Je mets le sang. Je mets le sang. Je mets le sang dans ma maison. Il n'y a pas d'attente dans ma maison. Moi et mon mari. Seigneur, je mets ton sang. Le sang de la solution. Le sang qui apporte la solution. Le sang qui apporte la solution. Le sang qui apporte la solution. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Puisse crier à ta faveur. Le sang de Jésus. Puisse crier à ta faveur aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Le sang de Jésus entre dans mon corps. Entre dans mon corps. Donne-moi la guérison. La guérison. Même les docteurs ont dit, je suis malade. Oh oui, que le sang de Jésus entre. On vous a changé les données. Que le sang de Jésus vous a changé les données maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus entre. 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 Entre dans mon corps. Le sang de Jésus. Donne-moi la guérison. La guérison miracle maintenant. La guérison miracle maintenant. La guérison miracle maintenant. Au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a parlé. Que c'est thème. Le Dieu qui a dit. Malgré la loi. Toi qui dois passer. Malgré la loi. Qui est parmi les maladies. Les maladies. Toi qui ne seras pas malade. Toi qui ne seras jamais malade. Oh oui. La guérison maintenant. La guérison maintenant dans ta famille. La guérison dans ton corps maintenant. Toi qui es venu malade. Maintenant tu es guéri. Maintenant. Guérison miracle. Guérison miracle. Guérison miracle. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Oh, ya, ba, 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 ba. Le sang, le sang, le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus entre. Entre maintenant. Le sang de Jésus dans mon corps. Le sang de Jésus. Eh, ya, ba, 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 ba. Le sang de Jésus. Pour papa, moi. Que les autres. Moi aussi, je dois me marier. Moi aussi, je dois trouver mon travail. Moi aussi, le sang de Jésus, crie à ma faveur. Oh, donne-moi la paix. Le sang de Jésus, donne-moi la paix. Donne-moi la joie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, entre. Entre maintenant, 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 maintenant. Entre le sang de Jésus dans ma vie. Oh, Yahba, chéquez. Aidez, Yahba, ba, 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 ba. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Il est là, il est là, il est là. Il ne marche jamais. Il a dit malgré la loi. Je ne sais pas quelle loi qui est dans ta famille. Je ne sais pas quelle loi maintenant. La piscine de Bethesda. Tu dois plonger, tu dois plonger. Tu dois avoir la solution aujourd'hui. La solution aujourd'hui. Au nom de Jésus, plonge maintenant dans la piscine. Plonge maintenant dans la piscine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Toi, for go. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance. Oh oui, en fait, Christ maintenant. Tu dis que Christ, tu es mon espérance. Oh oui, tu es mon espérance. Toi qui as visité cet homme de 38 ans, il a fait 38 ans paralytique, Seigneur. Si tu te manges aujourd'hui, parce que tu m'as dit malgré la loi, tu m'as dit malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, moi je dois entrer. Malgré la loi, moi je dois m'aider. Malgré la loi, moi je dois me suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Reçois, reçois, reçois ta réponse maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois maintenant. La guérison miracle. Au nom de Jésus, reçois, reçois. Eh yaba chéri. Eh yaba ba 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 ba. Oh yaba ba 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 ba. Mais Dieu des solutions. Mais Dieu des solutions miracles. Donne la solution maintenant. Au nom de Jésus. Dieu de la solution miracle. Oh le Dieu, qui a dit malgré la voix, j'entrerai. Elle doit entrer, elle doit régner. Au nom de Jésus, malgré la loi, malgré la loi. Qui est à vous, Seigneur, malgré la loi. Oh Jésus, il y a la vérité maintenant. Au nom de Jésus, malgré la loi, qui sont établis dans sa famille, malgré la loi, Seigneur est là. Au nom de Jésus. Cette année, tu dois entrer, malgré la loi, qui est établi,
Je te prends de mes mains. Je te prends de mes mains.
Et nous allons prier que le fait du Saint-Esprit se prier le mari aimé, qui prend contrôle de sa maison, qui prend contrôle de sa vie, qui parte aujourd'hui au nom de Jésus parce que Dieu a parlé. Go! Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, fais le feu maintenant, fais le feu, fais le feu, pars maintenant, libère là, libère là, libère là, tu vas partir, tu vas partir, tu vas partir.
Le noir ne te concerne pas. Nous, on est mis à part qui est de Dieu. Nous passons aux offrandes. Si vraiment Dieu t'a visité par cette parole, tu vas bénir cette parole. Tu vas dire, Seigneur, je reçois cette parole et je marche avec cette parole. Elle est pour moi au nom de Jésus. Et Dieu puisse m'ouvrir les écluses des cieux pour toi. Jésus, Seigneur, bénis chaque personne qui a pensé à toi pour ton œuvre éternelle, Dieu. Au nom de Jésus, quand tu nous as parlé malgré la loi, malgré, Seigneur, la loi qui établit, Seigneur, qui dit que nous n'allons pas gagner, nous n'allons pas réussir, Seigneur, à partir de ces offrandes, Seigneur éternel, Dieu. Oh oui, je brise l'échec, je brise la sécheresse, je brise la pauvreté, Seigneur, parmi ton peuple, au nom de Jésus, qu'il reste toujours au sommet, au nom puissant de Jésus. Ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, donne du travail éternel, Dieu. La personne qui n'a pas pu donner éternel, Dieu, papa, puisse lui donner. Oh, que la prochaine qui puisse passer, Seigneur, aussi, pour ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, tout cela fait pour toi, acclame le Seigneur. Amen, hein. Vous voyez, on a fini aujourd'hui avant, hein. On n'a pas encore complètement fini. On a fait ça parce que nous allons rester tout à l'heure. Les mamans, ils ont préparé quelque chose comme c'est la fête des mamans. Amen, hein. Je reste au sommet. Comme un aigle. La volonté de Dieu. Trois fois, je suis au sommet, je reste au sommet, je suis au sommet comme un aigle, selon la volonté de Dieu. Sommet,
J'ai reçu ce sommeil comme un aigle selon la volonté de Dieu. Oh oui, réellement nous sommes au sommeil. Dieu nous a parlé aujourd'hui que malgré la loi qui est établie, moi je viens te confirmer cet après-midi que tu dois passer. Malgré les oppositions, toi tu dois réussir. Malgré les problèmes que tu as, je sais que cet après-midi, Dieu t'a donné déjà la solution. Que les dieux de mon père, du nom Fernando, les dieux de l'armée de victoire, celui que j'appelle intervention rapide, puisse intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui est venu malade, rentre chez lui en bonne santé au nom de Jésus. Que tous les obstacles tombent et que tu restes toujours au sommeil. Je viens te dire cet après-midi, c'est toi qui contrôle le monde. Oh oui, c'est toi qui vas contrôler maintenant ta famille. Les sorciers de ta famille vont prendre la fuite. Parce que toi, tu es mis à part. Oh oui, que le fait du Saint-Esprit soit avec toi jour et nuit pour te protéger. Le sang de Jésus-Christ puisse te protéger et que tu restes toujours au sommeil. Au nom de Jésus. Oui. Dis avec moi le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Oui, que le bonheur de Dieu puisse te suivre au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom. Que Dieu te bénisse. Yeah.
Nous touchons.